Bonjour à tous et à toutes, ici GTKill et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le rappelez là, dans la dernière vidéo, vous avez un peu présenté Louvain la Craft, même si elle était déjà très très courte et qu'on m'entendait presque pas. Cette fois-ci, j'ai un peu modifié le tout. Et aussi, je vous remercie pour tous les retours que vous avez fait pour ma première vidéo. 43 vues, enfin de ce que j'ai vu, hein. Et je pense qu'on peut directement aller dehors parce que je n'ai rien à dire. Aujourd'hui, on va aller visiter la ville avec plus d'attention, quoi. Par exemple, là, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de terminer cette saison. Enfin, vous montrer tout le Louvain la Craft. Enfin, vous voyez quoi, un peu les magasins, parking. J'essaierai de du montage vidéo. Je sais, si vous voulez me dire dans les commentaires si vous trouvez mon montage vidéo nul, dites-le moi, comme ça je peux m'améliorer. Il faut poster votre commentaire. Enfin, je vous apprends rien quoi. Aussi, ils ont rajouté une pantôme sur le toit de la place. Un peu bizarre. Mais regardez, enfin, petit bâtiment, petite place, petit rien quoi. Là, encore un bâtiment. Là, des côtes. Des côtes. En fait, il y a surtout plus de côtes que d'écoles à Louvain la Neuve en particulier. Là, je suppose que c'est encore des côtes. Là, un parking. Là, je sais pas. Ça, c'est le derrière du cinéma. Ça, je suppose que c'est encore des côtes. Ça, je me demande si c'est pas... Ah non, je pense que c'est pas ça. Mais je pensais que c'était l'Adeps peut-être, mais ça m'étonnerait. Et je vais vous montrer un dernier bâtiment que je trouve très joli. Si vous le regardez du toit ou d'un peu plus haut, moi je trouve ça très stylé. Vous regardez pas le soleil, vous voyez une genre de lune là. Et moi, je trouve ça joli. Et je pense que nous pouvons arrêter cette vidéo. Vous mettez 40 vues. Vous regardez 40 vues sur cette vidéo. Et je fais une saison survie sur ce serveur-ci, sur Louvain la Craft. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et de mettre un commentaire. Et c'était GTKill. Et je vous dis ciao!